on va partir pour la première sortie, on fait 50 km. Et bah la suivante, bah autant aller faire 100 km, peut-être que ça passera. Et au final ça passera parce que le mental qu'on a, il est indescriptible. Ce kiff de créer cette endorphine, d'être dans le dépassement de soi et de finir dans des états pas possibles, limite à baver, c'est là où il faut avoir la force de caractère de se dire c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. À force de persévérance, de détermination, on y arrive. T'es tout seul, tu réfléchis, t'es dans ta bulle et pour moi qui suis compétiteur, ce moment d'osmose avec toi-même, il est assez incroyable. Que d'année en année je progresse et j'ai l'impression qu'en fait le corps humain il a aucune limite. C'est peut-être pour ça que du coup je suis coach sportif aussi. J'aimerais que chaque cycliste, chaque sportif, à un moment donné, il puisse se dire yes, j'ai réussi le col de ma vie entre guillemets.